C'est elle, c'est Adèle Chapelle. J'ai adoré votre podcast et j'adore votre livre. J'essaie de convaincre mon frère de lire, mais ça l'intéresse pas. Puis de toute façon, j'ai même pas le temps d'apprendre à lire. De lire tout court. Ça promet. Tu fais quoi? Non, j'utilise les mathématiques pour étudier les relations amoureuses. Vraiment? Non, vraiment. Elle fait trop de bruit là. Ça va, c'est de l'eau tiède. Par exemple, dans la rencontre amoureuse. Je crois que je vais t'embrasser. C'est l'improbabilité de rencontrer quelqu'un. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Qui fait la saveur de la rencontre. Pour moi, Adèle, à ce stade, il n'y a qu'une seule explication. Vous êtes en choc post-traumatique amoureux. Non mais arrête, s'il te plaît, ne me regarde pas. Tu tombes dans les pommes à chaque fois qu'Arthur passe la porte. On va faire un podcast scientifique, toi et moi. Tu pourrais être notre mathématicien de l'amour. Si tu le dis. Il faut qu'on pose un cadre. On fait quoi? On arrête? On continue? Je gère. Tu te mets toujours dans des histoires pas possibles. Faut regarder la réalité en face. On n'est pas fait pour être ensemble. Les arbres, ta douceur.